Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui êtes en ligne. Bienvenue à ce rendez-vous de gloire. Donc, avant que je ne commence, permettez-moi de faire le check sound. Dites-moi comment vous me recevez. Est-ce que mon son est bon? Est-ce que la connexion est bonne? Et pendant ce temps-là, aidez-moi à aller en bas de la vidéo. Aidez-moi à la partager, à identifier les amis, à inviter un plus grand nombre. Et surtout, faites-moi savoir en commentaire où est-ce que vous me suivez. Je vais prendre 2 minutes à bénir les premières personnes connectées avant de démarrer notre glorieux programme. Donc, on vérifie le son, check sound, dites-moi si le son est bon, dites-moi si la connexion est bonne. Faites-moi savoir d'où est-ce que vous êtes connecté à ce programme, avec qui vous êtes en train de regarder ce programme. Allez en commentaire, essayons d'échanger sur ces 2-3 petites choses. Identifiez les amis en commentaire sur les groupes WhatsApp, dans vos groupes Facebook. Dites-leur que le prophète est en ligne et on va commencer. Et je vais me permettre de saluer les premières personnes connectées. Ce sera pour moi une manière de les bénir. Je bénis Jules Israël, Ephraim, Nanamina, David Exaucé, Patti Kalambay, Kokob Nice, Maître Grasse Welo, Gédéon Boulonga, Rosine Ngongo, John Boulaouti, Bouatife, Irène Chiaza, Saram Benza, Christelle Mujinga, Cédric Lumba, Dorcas Ngandou, Généreuse Louis, Jennifer Fidel, Merveille Mouadi, Lisa Kelly, Fanny Sompo, Tina KMB, Natacha, Espérance Ibunga. Vous êtes très nombreux, que Dieu vous bénisse. Merci d'identifier les amis, merci de les inviter. Sarepta, Stéphane Kalunga, que Dieu bénisse toutes ces personnes connectées. Je vois Sarepta qui vient d'inviter Lisa Michindo. On me dit qu'il y a un problème de son. On me dit qu'il y a un problème de son. Est-ce que ma réalisation peut m'aider à arranger mon son avant que je puisse démarrer? Cédric Bomba, que Dieu vous bénisse. Invitez les amis. Partagez la vidéo. Allez sur partager et faisons les choses comme hier. Faisons bien les choses. Faisons bien les choses. Israël depuis Pointe-Noire, que Dieu te bénisse. Combien de personnes de Côte d'Ivoire, combien de personnes du Gabon, combien de personnes du Canada, des États-Unis, d'Afrique du Sud, des Indes. Faites-moi savoir d'où vous me suivez. Sarepta de Montréal. Natacha depuis Paris. José Rema. On me dit que le son crache. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Merci pour toutes les remarques que vous faites. Ça nous permet d'améliorer tous ces détails avant de démarrer. Est-ce que là, le son va? Ok, j'ai lu. Le son n'est pas encore bon. Généreuse depuis Lubumbashi. Me dit que le son n'est pas encore très bon. Ok, est-ce que là, ça va? Prophète Olivier Mimchak. Un fils à moi très bien avec une onction particulière. Que Dieu te bénisse. Marie-Éline Vouvou, que Dieu te bénisse, ma fille, ça fait très longtemps. Est-ce que ça va pour le son maintenant? Ok, faites-moi savoir si c'est bon pour le son, comme ça on va démarrer. Est-ce que ça va maintenant? Ok, merci. On me dit que le son est bon, donc on va commencer. Vous êtes merveilleux, merci de votre complicité. Vous faites déjà partie de la grande structure de Axel Mwamba Ministries. Que Dieu vous bénisse, welcome dans cette plateforme d'enfants de Dieu bénis. Ok, on a réglé l'affaire du son.
On a réglé l'affaire des tags et des identifications. Deux dernières petites choses. Dites-moi d'où est-ce que vous êtes en train de nous suivre et partagez cette vidéo. On atteint 50 partages, 100 personnes en ligne et on démarre. La balle est dans votre camp. Je vous accorde 2 minutes avant de reprendre l'antenne pour prier et inviter le prophète qui va nous bénir ce soir. Je vous assure, c'est un homme de Dieu oint, un homme de Dieu béni. Alors aidez-moi rapidement à partager la vidéo. Remontons le nombre des shares, le nombre de partages, le nombre des personnes connectées et nous allons commencer. On est à 29 partages. Ok, encore un petit effort et on va commencer. Ça n'arrête pas, fait du bon travail. Elle n'arrête pas d'inviter les uns et les autres. Je prie qu'une grâce particulière tombe sur toi et que tu témoignes du Dieu que nous servons. Marabashalaya. Ok, dès qu'on a 100 likes, je commence. Je vois qu'on est déjà une septantaine. 100 likes, je démarre. Ok, on a dépassé la barre des partages. Ne vous arrêtez pas, Dieu vous bénisse. Le dernier indicateur, aidez-moi à remonter le nombre des likes de la vidéo. On est à 72. À 100, je commence. Encore un petit effort, la famille, faisons les choses bien. Encore un petit effort. Rapidement, rapidement, rapidement. Ça me permet de saluer ceux qui viennent de nous rejoindre. On est à 80 likes. Grâce à ça. Je te salue. Je salue Lionel. Ramener le son là où il était. Et puis, maman Nadine Dembe. Que Dieu te bénisse. C'est ma maman. Fred Matt, que Dieu te bénisse. Depuis Montréal. Ok. C'est le pasteur Eric, jumeau du pasteur Freddy. Ok. Armel Mayo qui est depuis Lubumbashi, Dieu te bénisse. Est-ce que le son maintenant ça va? Je peux démarrer? Ok, on me dit que ça va maintenant. Combien de likes on a atteint là? Arabashandalabasaya. Ok, je crois que nous allons commencer. Dieu vous bénisse, vous faites un excellent travail. Un excellent travail, un excellent travail. Que Dieu vous bénisse tous. Maman Nicole depuis Brazzaville, que Dieu vous bénisse. Marie Yumba, Grady Kaseya, Lisa Michindo, Lionel Le Bochomo, Diane Chitenge, Glody Mesquia, Gucci Tanga, Maman Titi, Mitanta, Christiane Kamona, Dorada Mukalai, Glody Mwamba, Dorcas Ngandou, Sandra Chioi, Bénédicte Binti, Barbara Pascal, Samy Ignace, Jirès, ingénieur géologue de Simon Tomba.
Kadea, Ornella Kazad, Franck Ngan, Jean-Marc Mbouma, Laurent Kapoukou, Isaac Moui, Josué, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner en prière et je vais recommander ces instants à la grâce de Dieu. Nous allons ensemble prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Seigneur, nous recommandons ces instants à ta grâce. Nous voulons que tout se passe bien au nom puissant de Jésus. Nous refusons toute perturbation technique ou tout ce que le diable aurait prévu afin de nous perturber. Nous ramenons toute pensée captive à l'autorité, à l'obéissance du Saint-Esprit. Merci pour ce programme glorieux. Merci pour les vases que tu vas utiliser. Merci de nous faire du bien. Merci de nous bénir, de bénir nos vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Merci pour les personnes qui sont connectées et celles qui vont nous rejoindre. Merci pour nos familles. Merci pour le prophétique et les œuvres de puissance dans l'église locale. Merci de nous faire du bien. Que toutes les choses que nous t'avons demandées hier, toutes les paroles de déclaration, les prières, qu'aucune ne reste stérile, que tu les accomplisses toutes dans la vie de tous et de chacun, et que le Saint-Esprit se répande sur toute chair. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue encore une fois à ce glorieux programme. Hier, nous avons été richement bénis. Nous avons dormi très tard parce que nous n'arrêtions pas de recevoir des témoignages. Il y a des gens qui sont allés en extase, que le Saint-Esprit a transporté, comme il est écrit dans Apocalypse, et ces gens qui parlent, « L'Esprit me transporta dans les hauteurs pour me faire voir ce qui arriverait dans la suite des temps. » Celui qui monte dans les hauteurs a un champ de vision plus grand. Et je prie que cette nuit, que tu sois transporté sur les ailes du grand aigle afin que tu aies un champ de vision encore plus large. Si vous avez des témoignages que vous n'avez pas eu à partager avec moi, n'hésitez pas de les laisser inbox sur la page. Mon équipe va me les remonter, les administrateurs de la page vont me les remonter et cela va nous édifier, cela va édifier le corps de Christ. Si jamais ça ne vous gêne pas, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Quelqu'un qui est connecté pourra les lire et cela pourra booster sa foi. Mais je vous rassure que le Seigneur a fait des choses inouïes. Il y a des personnes qui ont subi des opérations chirurgicales dans leur sommeil parce qu'un ange de l'Éternel leur est apparu et a commencé à opérer. Il y a eu juste des choses extraordinaires. Et je crois qu'en ce deuxième jour, nous prenons encore de l'ascension et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Alors aidez-moi à rendre ce live plus vivant. J'aimerais que chacun joigne ses mains et mette avec des émojis, des émoticônes, des mains d'acclamation afin de bénir le Seigneur. Aidez-moi à dire bravo Jésus en commentaire. Allez, on y va. Beaucoup d'acclamations, beaucoup d'acclamations, beaucoup d'acclamations. Bravo Jésus, bravo Jésus, bravo Jésus. Aide-moi à célébrer Jésus comme le psalmiste dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur et ma langue dit mon œuvre est pour le roi. J'aimerais que tu exerces tes doigts comme la plume d'un habile écrivain et que tu dises des paroles pleines de charme, des paroles de célébration à Jésus. Alors on y va, on célèbre le Seigneur, on lui dit ce qu'il est pour nous, ce qu'il fait pour nous, ce qu'il a fait, ce qu'il fera. Célébrons le Seigneur, allons-y, allons-y, beaucoup d'acclamations, bravo Jésus et des paroles extraordinaires. Le temps pour moi de faire venir sur ce plateau l'homme de Dieu qui va nous bénir. Alors, je vous avais une ou deux minutes pour faire ce que j'ai demandé. Je vous présente, je vous introduis l'homme de Dieu et nous allons passer des moments merveilleux. Marabashalaya. Hebrasanda. Orobo Shakariabasa. Andarabashalaya.
Est-ce que l'homme de Dieu est prêt? Est-ce qu'il est en ligne? S'il est en ligne, j'aimerais que vous puissiez, avec votre concours, le mettre sur nos écrans. Merci d'inviter l'homme de Dieu. Est-ce que l'homme de Dieu est là? Je vais introduire ici l'homme de Dieu qui va nous bénir cette nuit. Est-ce que c'est bon? Prophète, bonsoir. Bonsoir, papa, vous allez bien? Allô, prophète? Allô, vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez remonter votre son? D'accord. Est-ce que le prophète m'entend? Je vous entends, prophète, et vous m'entendez? Oui, ça va. Est-ce que le son du prophète est bon? Là, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. C'est parfait. Que Dieu vous bénisse. Alors, l'homme de Dieu que vous avez devant vos écrans, sur les écrans de vos téléphones, c'est le prophète Daniel Mwamba du Canada. Un homme de Dieu extraordinaire, avec une grâce authentique. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, mais il sera une vraie bénédiction pour nous. Je lui ai dit, prophète, va chercher Dieu pour nous. Nous, nous sommes là afin d'expérimenter Dieu au travers de toi. Et c'est en début d'après-midi, parce qu'il y a un décalage par rapport à nous ici, je crois 6 heures, en début d'après-midi qu'il est redescendu de la montagne sainte pour dire « J'ai reçu l'huile que je vais déverser ce soir » et j'ai dit « Waouh !» Donc le prophète Daniel Mwamba est un homme de Dieu que nous connaissons depuis des années. Il a eu à évoluer avec nous ici à Lubumbashi avant de se marier et d'aller s'installer au Canada. En passant, nous avons la grâce d'être ses parrains de mariage. Donc, au-delà d'être un homme de Dieu qui travaille sur la plateforme Axel Mwamba Ministries et qui ne cesse de nous bénir, il y a une relation de parrain-filleul et c'est quelqu'un que nous aimons énormément, nous le portons à cœur. Si c'est le cas pour vous, dites-le lui en commentaire, prophète, nous vous aimons, nous vous portons à cœur et nous prions pour vous. Voilà, prophète Daniel, bienvenue sur cette plateforme pour ce grand thème, les bénéfices du prophétique et des œuvres de puissance. You are welcome, prophète. Merci beaucoup, merci. Merci, prophète. Je suis très content d'être sur cette plateforme à HM Ministries pour passer du temps avec vous et passer du temps avec le peuple de Dieu. Je salue tous ceux qui sont en ligne et que Dieu vous bénisse abondamment. Et amen. Je suis convaincu que nous allons passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu et ne manquera pas de nous faire du bien. Alors, merci au prophète Axel, comme il le disait, il n'est pas seulement un homme de Dieu, mais il est vraiment précieux à mon cœur et au cœur de ma femme, parce que depuis plusieurs années, il nous tient par la main, il nous a part des conseils et nous bénissons Dieu pour sa vie. Amen. Alors, prophète, allons dans les 2 minutes vous mettre en gros plan afin que vous puissiez partager avec nous sur ce thème glorieux. Donc, libre à vous, soit de nous amener dans les Écritures, soit dans un partage d'expérience, dans un service prophétique, un service d'affectation, des sujets de prière. Vous avez le temps, vous avez la chair afin de bénir les enfants de Dieu et nous permettre de vivre le ciel sur la terre cette soirée afin que Saucite soit au rendez-vous. Est-ce que la réalisation peut ramener le prophète en gros plan et lui laisser le temps de nous bénir? Prophète, à vous la chair. Merci beaucoup, prophète. Merci pour l'opportunité. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde
Et nous sommes infiniment reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ pour le temps qu'il nous donne de partager avec le peuple de Dieu. Et je suis convaincu dans mon cœur et dans mon esprit que Dieu bénira une personne. Et Yes. je le sens fortement dans mon cœur et dans mon esprit. Alors que j'étais en train de chercher Dieu pour ce jour, Dieu était en train de me dire une chose, qu'il est en train de susciter des jeunes, des parents, des adultes, des hommes prophétiques dans l'Église universelle. Ce thème, du prophétique dans l'Église locale et des œuvres de puissance dans l'Église locale est très important parce que c'est le temps que Christ nous avait, enfin, la Bible nous promet dans le livre de Joël, au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Yes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ce temps est prophétique. Le temps que nous allons passer ensemble est prophétique. Est-ce que Dieu a prévu de faire dépasse l'entendement humain? Alors nous allons prendre quelques portions d'écriture et ensuite nous allons la part de Dieu. Yes. Quelqu'un peut nous aider à afficher? Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 3. 1 Corinthiens 14, le verset 3. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Je répète, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ça, c'est très important. Et voilà, à le verset 2, nous dit ceci: En effet, parlant en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les exhorte, les console. Si c'est ta Bible, souligne, les édifie, les exhorte et le console. Si c'est une Bible électronique, tu peux surligner ces trois mots. Alors, notre thème, c'est les bénéfices du prophétique et les œuvres sont dans l'église locale. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Corinthe. Il est en train, comme d'élucider, il est en train d'éclairer la lanterne par rapport à l'utilisation des dons spirituels. Il est en train de parler à l'église de Corinthe en leur disant, écoutez, le parler en langue a pour beaucoup dans l'église. Et puis il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et puis, deuxième volet, l'apôtre Paul est en train de dire, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. L'apôtre Paul est en train de faire une équivalence entre le parler en langue et la prophétie. Parce que selon lui, il a trouvé important de scinder et de séparer les deux termes, donc le parler en langue et le prophétique. Ça veut dire que l'apôtre Paul avait compris que le prophétique était un cadeau que Dieu a donné à l'Église. C'était comme la manifestation de Dieu dans l'Église. Parce que le parler en langue, c'est l'homme qui parle à Dieu. La prophétie, c'est l'homme qui entend Dieu et qui parle à l'humain. Je répète ce que j'étais en train de dire. Le parler en langue, c'est l'homme qui est en train d'adresser des mystères à Dieu. Mais la prophétie, c'est l'homme qui a entendu Dieu parler à l'humain. Donc Wow. l'apôtre Paul est en train de dire, ce prophétise, il exhorte, il édifie et il console. Et les trois termes qu'il est en train d'utiliser théologiquement, on les appelle la triade prophétique. Est-ce que tu peux m'aider à taper la triade prophétique? La triade prophétique. Oui, l'apôtre Paul, donc ce sont les trois rôles que joue la prophétie dans l'église locale. L'apôtre Paul est en train de dire, ce sont les principaux rôles. Il dit, la prophétie édifie, la prophétie exhorte et la prophétie console. Écoutez. L'apôtre Paul, en donnant ces trois rôles du prophétique, il est en train de dire exactement d'une prophétique. L'apôtre Paul est en train de dire, il édifie.
Le premier terme qu'il utilise en grec, vous savez que la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec, le premier terme qu'il utilise, c'est édifier, qui signifie oikodomé. En grec, c'est oikodomé. Si on doit faire la translittération en français, ça nous donne comme la construction des grands édifices, des grands édifices. Wow. Donc, oikodomé comme la construction des grands édifices. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous dire, celui qui prophétise est en train de construire des vies. Mais il ne les construit pas à un niveau bas. Il construit les vies dans un niveau très élevé comme des édifices. Suis venu déclarer et annoncer à une personne que le prophétique dans l'église locale a pour rôle de bâtir des édifices. Le prophétique a pour rôle de construire les vies. Quand nous prophétisons, nous ne faisons pas les spectacles. Quand nous prophétisons, nous construisons des vies. Quand nous prophétisons, nous sommes en train de bâtir sur la fondation des apôtres. Nous sommes en train d'ériger les piliers de la nation. C'est comme ça, ne vous étonnez pas, quand l'Église va commencer à produire des hommes bâtis au niveau de l'intelligence, des hommes bâtis au niveau social, parce que la prophétie vient, elle construit, mais elle ne construit pas à un niveau bas. La prophétie, elle construit comme oikodomé. Elle est l'herbe des bâtiments. Elle est l'herbe des gratte-ciels. Je prie que Dieu commence à une personne au niveau de sa prophétie. Écoute, quand Dieu te dit que tu es grand, ça ne veut pas dire que tu le deviendras. Que dans sa pensée, il t'a vu grand, c'est comme ça qu'il a parlé. Je suis venu annoncer à une personne que quand le prophétique vient dans l'église, quand le prophétique vient dans une assemblée, c'est pour bâtir des vies. Pas pour tacle, premièrement, pour bâtir les vies. Le premier rôle du prophétique, comme l'apôtre Paul est en dire, oikodomé. Je prie que ta vie se sente bâtie par Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'une personne pensait que sa vie est en train de se détruire, qui pensait que sa vie est en train d'être ruinée. Je suis venu t'annoncer que la prophétie, quand on la donne dans une église, c'est pour bâtir, pour élever des murs, pour élever les murs de ta vie. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, la prophétie édifie. Deuxièmement, l'apôtre Paul dit, la prophétie a pour rôle d'exhorter. Donc, quand la prophétie vient dans une assemblée, il y a des gens qui ont des cœurs brisés. La parole là de venir exhorter. J'ai aimé le terme grec qui est simplement paraklesis. Paraklesis qui signifie rafraîchissement ou bien avertissement ou instance encouragement. Deuxièmement, la point de dire quand la prophétie vient, elle vient rafraîchir le cœur. Elle vient apporter le là où le trouble était en train d'entrer. C'est comme ça que même Saül, pendant qu'il était en train de chercher les ânes, Samuel lui a dit, ne t'inquiète pas, les ânes ont été retrouvés. Maintenant, là, ton père ne s'inquiète pas pour les ânes, il s'inquiète pour toi. Donc, la prophétie est venue pour rafraîchir, pour apaiser le cœur de Saül qui était inquiet. Je suis venu dire à une personne qu'aujourd'hui, Dieu va rafraîchir ton cœur. Dieu va apporter les calmes dans ton cœur. Parce que quand la prophétie vient, elle vient pour apporter le calme. Donc je suis en train de parler, Dieu est en train d'accorder le calme à une famille. Dieu est en train d'amener le calme et le rafraîchissement dans une famille. Parce que clairement dans mon oreille gauche, je suis en train d'entendre un nom comme Sarah. Et je vois un écrit comme Benza. Dieu est en train de bénir et de rafraîchir cette famille. Si il y a une personne comme ça qui est en ligne, parce que je ne vois pas le commentaire, elle peut, parce que Dieu est en train de faire du bien à cette famille. Non seulement Dieu est en train de faire du bien à Sarah Mbenza, il est aussi en train de faire du bien à une personne dans sa famille qui s'appelle Clémence. En train de faire, parce que quand la prophétie vient, elle vient rétablir l'ordre des choses. Elle vient pour rafraîchir le cœur. Je disais, dans la famille de Sarah, je vois qu'elle s'appelle Clémence. Si elle est là, elle peut réagir parce que nous allons continuer. Nous sommes en train de couler.
Que la réalisation nous aide à chercher, Sarah. Poursuivez, prophète. Ok, parce que Dieu est en train de faire vraiment du bien. Voilà, Clémence Mbenza est en train de faire du bien à quelqu'un dans la même famille qui s'appelle Raïssa. Sarah est en train de confirmer. Je vois Sarah confirmer. Une loi par rapport au mariage dans cette famille qui est en train de tomber. Parce que Dieu est en train de briser une loi qui a été établie comme en 97. Dieu est en train de faire tomber cette loi et libérer les mariages de cette famille. Parce que les filles de cette famille doivent entrer maintenant dans la destinée. Yes. C'est comme ça que Dieu s'est décidé de rafraîchir les cœurs dans cette famille. Et pendant que je suis en train de parler, que cette prophétie s'attache à cette famille, que cette prophétie s'attache à la vie de chaque personne qui est en ligne. D'ailleurs, prophète, que Dieu est en train de libérer les mariages des gens qui sont en ligne. Sortez dans vos familles, les mariages sont bloqués. Dieu est en train de libérer vos mariages. Marabashalaya. Irrépériable. La prophétie a pour rôle de rafraîchir. Et Dieu, quand il envoie la prophétie dans une assemblée, il remet les choses à l'ordre. Et j'aime le deuxième terme, alors nous allons continuer. Le troisième terme, l'apôtre Paul est en train de dire, la prophétie est là pour... Prophète, vous m'entendez? Je vous entends, prophète. Oui, je vois Sarah qui vient de confirmer toutes les prophéties que vous avez données. Elle a confirmé le nom de toutes les personnes que vous avez données. Cependant, pendant que vous étiez en train de parler d'une loi que le Seigneur est en train de faire tomber sur le mariage, il y a une deuxième loi que le Seigneur me demande de faire tomber. C'est que les filles de la famille ont été soumises à une loi de donner naissance par césarienne. D'ailleurs, il y a une de ses sœurs qui va donner naissance dans très peu de temps. Et il y a une loi qui pèse au-dessus d'elle afin qu'à l'accouchement, elle puisse décéder. Mais le Seigneur me demande justement d'exercer un jugement. Et en ouvrant une parenthèse, voilà l'un des bénéfices du prophétique et des œuvres de puissance. C'est puiser des informations et faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas vous prendre par surprise ou vous prendre au dépourvu. Donc je suis en train de briser cette loi de césarienne sur les filles de la famille Mbenza. Je déclare que vous allez donner naissance par voie basse. Mais surtout, je déclare qu'aucune d'entre vous ne mourra en donnant naissance, parce que le ciel vient de libérer des anges vers vous afin de commencer à opérer des miracles glorieux. Prophète, vous pouvez poursuivre. Oui, parce que quand l'apôtre Paul dit consoler, l'apôtre Paul est en train de dire discours fait dans le but de persuader, d'élever ou de stimuler. Donc quand la prophétie vient, c'est pour booster une personne. Peut-être que tu étais dans une séquence où tu étais à l'arrêt. Quand la prophétie vient, elle vient comme te donner de démarrer à nouveau. Quand le prophétique vient dans une assemblée, le prophétique nous permet d'accélérer à nouveau. Je déclare, si ta famille a connu la stagnation, que Dieu commence à vous donner un nouveau départ. Dieu vous donne un nouveau départ. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire, je ne suis pas venu avec des discours persuasif de la pensée humaine. Mais je suis venu avec la démonstration de la puissance. Parce que l'apôtre Paul savait que là où il y a les discours, il peut voir la pratique. L'apôtre Paul n'est pas en train d'annuler la force des discours. Il dit, je ne suis pas venu seulement, mais il dit avec la puissance de la puissance. Quand il y a des discours, il doit y avoir la pratique. C'est comme ça que Dieu commence par la théorie, mais aussi il peut aller à la pratique. Mais si Dieu veut faire des... Si Dieu aussi est capable de t'enseigner par la pratique et tu apprends une théorie, elle se parle à quelqu'un.
Dieu est capable de renverser les choses dans le domaine de la puissance, dans le domaine du monde des esprits. Quand tu navigues dans le monde spirituel, nous sommes comme des bras qui touchent au ciel et qui touchent à la terre. Yes. Capables de puiser les informations dans la sphère spirituelle pour les amener dans la sphère physique. C'est comme ça que Dieu, quand il appelle un prophète, il les place comme entre ciel et terre. Quelqu'un qui vit en écoutant le ciel, mais étant sur la terre. Quelqu'un qui est capable d'entendre ce que le ciel est en train de dire et de vivre au milieu des hommes. My God. Et des hommes comme ça, quand Dieu les établit dans l'église, ça veut dire que Dieu établit l'atmosphère du ciel dans l'église. Rabashalaya. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui écoute le ciel sur la terre qui s'est invitée. Donc, quand la personne arrive, elle apporte les informations qu'elle a entendues au ciel sur la terre. Marabashandalaya. C'est comme ça que dans le prophétique, quand Dieu nous navigue, il nous permet de sonder le cœur de Dieu. J'aime ce que l'apôtre Paul dit, que celui qui parle en langue, il dit des mystères. Yes. Donc le prophétique, c'est l'un des mystères. Maintenant, le parler en langue est cette clé qui nous permet d'ouvrir les boîtes des mystères. Marabaka Shandalaya. Et quand on entre dans les boîtes des mystères, on décortique les mystères, on vient avec les mystères, on les apporte à l'église. Décrypter l'information. Et quand l'église les reçoit, l'église ne reçoit pas des mystères. L'église reçoit un message déjà décodé. En fait, il devient comme un décodeur. Il reçoit le message de Dieu. Il apporte dans toute la simplicité de Dieu sur la terre. Prophète, redis ça. Donc le prophète est un décodeur. Oui. Quand la voix de Dieu qui est codée en termes d'air, le prophète a pour rôle de décoder, il a entendu, pour décoder et transmettre l'information en termes d'image et de son. Et de son. Ça, je le dis, dans le domaine spirituel, quand Dieu ouvre les yeux dans le domaine de la voyance, il te permet de voir des vidéos HD. Marabashandalaya. Comme un film qui défile. Comme un film, exactement. Pendant que vous êtes en train de dire comme un film qui défile, mon esprit, Dieu est en train de le transporter en France. My God. Et en France, je vois Dieu m'amener dans un endroit, j'ai jamais entendu, appelle Mans. Et je vois une personne qui s'appelle Jennifer. Il y a une personne qui est à Mans en France qui s'appelle Jennifer. Elle peut se manifester parce que je vois une forte grâce qui vient de tomber dans leur maison. Quand tu parles de Jennifer, je vois F-I-D-E-L. F-I-D-E-L. Jennifer fidèle. Yes. Marabashalaya. Avance, prophète. Donc, si Dieu, en attendant que la personne, si Dieu amène un prophète dans le domaine spirituel, il lui permet de voir qu'il va décortiquer sur la terre. Yes. C'est comme ça qu'il arrive des temps. Quand un prophète navigue, il navigue pas lui-même. Il navigue avec l'atmosphère des êtres spirituels qui l'accompagnent. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il veut consoler, il doit amener l'atmosphère qu'il faut. Il doit amener les paroles qu'il faut. Et il doit amener les promesses qu'il faut afin de propulser quelqu'un dans sa destinée. D'ailleurs, je déclare que toute personne connectée, Dieu est en train de vous propulser dans vos destinées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est en train de vous propulser dans vos destinées. Il y a des gens qui sont peut-être bloqués, qui se sentent limités. Le prophétique a aussi pour rôle de vous inviter dans une prochaine dimension. My God. Et d'élargir l'espace de vos tentes. Étendre les limites. Pendant que je suis en train de parler, si la personne a réagi, on peut faire signe, on va couler. Parce que je suis en train de voir comme si c'était une fille. Mais pendant le temps de parler, j'ai vu comme une flèche qu'on a relâchée au niveau de sa tête.
C'est comme ça que hier après le petit, à 16h36 minutes 3 secondes, elle a eu comme des douleurs à la tête. Parce que le diable voulait relâcher comme des maux de tête interminables. Parce que c'est une fille très intelligente. Mais que le diable veut éteindre. Mais Dieu est en train, j'ai vu comme une main qui a enlevé la flèche. Dieu est en train de guérir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Les bénéfices du prophétique dans l'église, c'est ce que nous sommes en train de faire. Apporter des solutions. Révéler les du monde des ténèbres. Come on. Alors qu'ils sont en train de prévoir des mauvaises choses, Dieu nous permet de voir ces choses afin de naviguer. Arabalasha et de démontrer et de briser. Vous savez, un prophète ne voit pas seulement. Il a la capacité à l'aide de briser tout ce qu'il a. C'est comme ça que s'il y a des lois établies dans vos familles, Dieu est en train de les briser. Amen. 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 La personne a réagi. La réalisation me fait savoir que la personne est en ligne, mais elle n'a pas encore réagi. La terrible de Périas. Ivra de Clis. Il y a une atmosphère qui vient. Je suis comme à Mokambo. Mokambo, en RDC. À la frontière à Zambie. Dieu est en train de dire qu'il est en train de visiter qui est dans ce coin-là. Parce que je vois une personne, je vois comme une boutique. Et sur la boutique, on a des lits comme tip-top. David est là, il est là. David, je sais, c'est David. Parce que Dieu est en train de visiter cette famille-là. Dieu est en train de visiter. Je suis à Mokambo. Et j'ai vu une boutique sur laquelle on a déjà écrit tip top. Parce que je peux voir même pour arriver à cette boutique, il y a comme un rond-point. Et ce rond-point, il y a des motards autour. Parce qu'il y a comme plusieurs, c'est comme un carrefour, il y a plusieurs chemins. Alors si tu prends la route à gauche, tu arrives à cette boutique. J'ai vu, on était en train de prévoir comme voleurs, mais c'est c'était comme dans le monde spirituel qui veulent entrer là-bas et tuer. Calabra, mais j'ai un ange se tenir devant cette boutique et empêcher cette opération. Dieu est en train de révéler le plan de l'ennemi pour le briser. Et même pendant que je suis en train de parler, alors que la personne est en train de se connecter, je vois une grâce tomber sur une famille. Ils sont en train de nous suivre à deux, comme des filles sur la famille Mboui. J'ai vu comme une lumière qui vient de tomber dans cette famille là. Et tu es en train de me dire qu'il est en train de lier les portes des mariages comme pas possible. Parce que j'ai vu qu'on était en train de laver les anneaux, les alliances. Marabashalataya. Dieu est en train de libérer cette famille là. Si y a une personne qui sait, David, je cherchais David et en bouille. Dieu est en train de libérer cette famille là. David vient de se manifester, me fait savoir la réalisation. Pardon? La réalisation me fait savoir que David vient de se manifester. Ok. Alors que cette personne est en train de se manifester. J'ai vu un temps, on avait arrêté son grand frère. Et son grand frère, on l'avait arrêté en Zambie. Et je suis comme à Lusaka. On l'avait arrêté parce que Zami l'avait accusé sur quelque chose qu'il n'avait pas fait. Mais pendant que nous sommes en train de parler, la personne est hors de prison. J'ai vu comme un projet, on voulait encore qu'il rentre dans cette prison. Mais Dieu est en train... D'ailleurs, pendant que je vois clairement quelqu'un qui a comme beaucoup de cheveux et une longue barbe, la personne, elle chante. C'est un musicien. Et j'ai vu le... que cette personne rentre en prison, mais Dieu est en train de briser cette loi. My God. Parce que la prochaine fois, ok, je suis en train de voir comme un numéro, je vois comme 6. C'est là qu'il peut prendre ce numéro. Plus 6.
J'ai vu comme un 9. J'ai vu comme 7. Mm-hmm. J'ai vu comme 1. 0, 8. 300 à la fin. Et l'Ethereum. Je suis en train de me dire ce numéro appartient à cette personne. Mm. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de libérer plusieurs personnes des prisons familiales. Alléluia. Dieu est en train de libérer plusieurs personnes des prisons du péché. Alléluia. Parce que le cycle n'est pas seulement là pour nous consoler, mais aussi pour nous avertir. Amen, amen, il y a amen. Plusieurs personnes qui vont vivre des démonstrations prophétiques aujourd'hui. Alléluia. Mais Dieu veut que cette vie de péché te lâche. Mm. Dieu veut que cette manière de penser puisse quitter afin qu'il dépose cette onction. Carabas, d'ailleurs, je déclare qu'avant la fin de ce live, il y a des gens qui vont des signes prophétiques extraordinaires. Amen, amen, amen. L'huile va couler les mains. Les poudres d'or vont se manifester. Mm. Je déclare dans le nom de Jésus. In il y a des gens qui Jesus. Sont en train d'être guéris. Yes. Yes. Il y a des yes. gens qui sont en train d'être guéris. C'est ce que je disais. Il y a des gens qui sont en train d'être guéris aujourd'hui. Yes. Et pendant que je parle, Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un qui a déjà mis comme des babouches noires blancs. Mm-hmm. Et la personne est en train de nous suivre assise pour passer Telia sur un lit. J'ai vu comme des draps bleu blanc que cette personne se manifeste parce que Dieu est en train. J'ai vu comme Dieu déposer un dans cette chambre. My God. J'ai vu comme Dieu déposer un cadeau dans cette chambre. Wow. Et les terribles, équipe angélique établie. Prophète, pendant que je parle, yes. je vois une personne qui est en train de prier, qui est en train de dire que la grâce de ces hommes de Dieu vienne sur moi. Mm. Prophète, laisse-moi te compléter. Amen. Je vois révélation. Je vois cette grâce-là venir sur la personne. Mm. Pendant que tu parles de révélation, je suis en train de voir Loé là. Je suis en train de voir Loé là. Et cette personne était en prière disant que la grâce qui marche avec ses hommes puisse m'affecter. Et pendant qu'elle était en train de faire cette prière, j'ai vu cette personne mettre un t-shirt bleu avec des rayures. Un t-shirt bleu avec des rayures. Et quand je regarde l'étiquette derrière le t-shirt, je vois la taille, c'est L. Elle. Et cette personne était en train de prier. C'est un t-shirt en coton. Était en train de demander que la grâce qui accompagne ces hommes de Dieu puisse m'affecter. Elle avait un t-shirt bleu avec des rayures, un jean. Je dis elle, le size, la taille du t-shirt. Loéla. Et cette personne était en train de prier pour que la grâce de Dieu puisse l'affecter. Pendant que vous parlez de révélation, je vois la grâce de Dieu affecter cette personne. Et même dans la maison, je vois une maman qui était menacée d'AVC. Et Dieu me dit qu'il est en train de déposer une grâce de guérison sur cette personne afin de commencer à prier pour des cas compliqués tels que l'AVC. Et Dieu va l'utiliser fortement dans la guérison miracle. Je répands cette grâce sur tous ceux qui nous suivent maintenant et qui aspirent à la dimension de guérison miracle. Yes. Pendant que je parle de cette personne, je vois comment il passait. Et je suis comme à 19h. Cette personne a prié à genoux. Elle était en train de prier pour que la grâce prophétique vienne sur elle. Dieu est en train de libérer cette chose. Amen. Je disais que je cherchais une personne qui avait des babouches noires blancs et qui nous suivait assis. Si la personne s'est manifestée, on peut naviguer sur la personne. Oh, raha, si fériable. Mais la prière déclina s'ouvrir éclair. Dieu est en train de libérer une nouvelle vague dans l'église locale, que ça soit en RDC un peu partout dans le monde. Il y aura des jeunes qui vont craindre le Seigneur, que Dieu est en train d'élever dans l'église, que Dieu mettra au-dessus. En fait, on va prendre parce un temps de prière. On a écrit comme Samuel à côté.
Samuel. La réalisation nous aide à localiser ces personnes-là. Mais prophète, j'aimerais que dans ce temps de message que vous êtes en train de libérer, que nous puissions aussi profiter et couler dans un flot de prières. Parce que pendant que vous êtes en train de prophétiser, je sens l'atmosphère est très propice et Dieu veut libérer beaucoup de choses. Dieu veut libérer beaucoup de choses. J'étais en train de voir le Seigneur donner des promotions. Et j'étais en train de parler tout à l'heure de maman Nadine Dembe. Je vois une promotion venir sur vous. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes connecté ce soir, mais c'est pour très peu de temps et votre témoignage est en route. Donc, prophète, pendant que vous libérez les messages, nous allons aussi couler dans le flot de la prière. À vous la parole. Oui, Samuel, parce que pendant que nous sommes en train de parler, le prophète Axel était en train de parler. Je vois Samuel qui a des babouches noires, qui est assis sur un drap blanc, bleu. Dieu, je vois comme un cadeau qui tombe. Mais ce tombe, je vois comme sous forme de passeport avec un visa. C'est quelqu'un qui était en train de préparer un voyage. Et Dieu est en train de libérer ce voyage. Amen. Parce que j'entre dans sa chambre, je vois comme sur une table, il y a une machine. Et sur cette machine, je l'ai vu hier, il était en train de faire une recherche par rapport au Canada sur l'immigration. Hier, et si je dois parler d'hier, nous sommes comme à 16h, vers 16h15. Elle était en train de cette recherche. Dieu vient d'ouvrir cette porte-là. Amen. Dieu vient d'ouvrir cette porte. Nous déclare le nom de Jésus. Au nom de tous Jésus. Tous ceux qui sont bloqués, Rabashatana, à l'ambassade. Qui sont en train d'attendre un voyage. Et un voyage d'affaires. Voyage d'études. Dieu est en train de libérer dans le nom de Jésus. Dieu est en train de libérer dans le nom de Jésus. Si c'est dans le domaine de gloire, Dieu est en train de libérer le travail dans le nom de Jésus. Et l'esprit périable des pastes. Dans le nom de Jésus. Que Dieu libère tout ce qui était fermé. Mais glace, il verrait plat de nous. Au cri terrible. Il y a des gens des signes prophétiques tangibles maintenant même. Des signes tangibles maintenant même. Mais j'ai vu sur la même personne, Samuel, j'ai vu qu'elle sort de son avenue. Elle arrive à un endroit où elle trouve des motards. Et un motard qu'il a l'habitude d'appeler Picho. Ce motard, je l'ai vu, il a pris ce motard et puis ils ont fait un accident. Mais Dieu est en train de briser ce projet-là. Au nom de Jésus. Tu es en train de briser ce projet-là. Que toutes les personnes qui sont attaquées, quel que soit le domaine, tu es en train de briser ce projet dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que vous êtes en train de parler de ce projet d'accident, je vois une personne qui porte le nom de Esther. Il peut y avoir plusieurs Esther là, mais la Esther dont je suis en train de parler, à côté de chez vous, la parcelle voisine du côté droit, c'est un bar. J'ai vu cette personne être frappée d'une maladie d'origine diabolique qui a commencé par un mal de ventre et j'ai commencé à voir l'intérieur du ventre commencer à pourrir. Depuis un certain temps, Esther est en train de se plaindre des douleurs au niveau du ventre. Ils ont essayé de faire des examens à l'hôpital, on n'a rien vu. Mais l'Esprit du Seigneur m'ouvre les yeux maintenant et je suis en train de voir une semence qu'on avait inoculée. C'était un certain 17 mars de cette année. 17 mars, elle avait été invitée et dans la nourriture, on a injecté quelque chose et ce qu'elle avait avalé, c'était pour commencer à contrôler sa vie. Donc cette nourriture qu'elle avait avalée était comme une forme de caméra pour commencer à contrôler sa vie. Et le Seigneur est en train de me dire de déclarer, ce mal de ventre prend fin maintenant, l'ennemi n'aura pas raison de toi, tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas témoigner du Dieu qui est en train d'opérer sur cette semaine de saucisse. Je libère la victoire dans ta vie et surtout dans ta famille au nom de Jésus. Oui, nous sommes en train de prier et Dieu qui est en train de libérer une forte onction sur les prophètes qui sont connectés.
Yes. Parce que j'ai vu comme plusieurs personnes prendre flamme. Dieu est en train de me dire qu'il est en train d'allumer la flamme du prophétique dans la vie, dans les vies de plusieurs. Dans les vies de plusieurs. Et je vois justement une grâce tomber à Kinshasa sur une personne qui s'appelle Grâce. Ça. Orahasi Peria. J'ai vu comme une grâce venir comme ça sur les prophètes qui sont connectés. Et j'ai vu la même grâce aller en Italie. Dieu est en train de visiter des gens. Et d'ailleurs, prophète, pendant que nous sommes en train de parler, il y a une personne qui vient de parler en langue. Maintenant même. Mais je vais donner une précision. Cette personne est en train de parler en langue dans une chambre qui est peinte comme, je vois comme, il y a du blanc. J'ai vu Dieu déposer une forte grâce là-bas. Après cela, il va presque dire des gens qui vivront des choses extraordinaires. Il y a des gens qui vont naviguer dans la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Prophète, est-ce que vous pouvez étendre vos mains comme ça vers votre écran? Parce que je viens de voir, pendant que vous déclarez sur les prophètes, j'ai vu que vous et moi, en connexion, nous étions en train juste de souffler. Nous allons juste souffler et il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et parmi les personnes que je vois être affectées maintenant, il y a une personne dans sa chambre, il y a la fenêtre qui est cassée au niveau du poignet. Et on a essayé de mettre comme des papiers collants avec du plastique. Il y a une partie qui est cassée au niveau du poignet de la fenêtre. On a mis des papiers collants avec du plastique. Pendant que nous serons en train de souffler, il y a un vent qui va entrer par cette ouverture-là. Cette personne sera projetée et elle va parler en langue toute la nuit. Alors, prophète, j'aimerais juste que vous puissiez aussi étendre vos mains. Toutes les personnes qui nous suivent maintenant, avec le prophète Daniel, bien que n'étant pas dans la même pièce, nous allons juste souffler trois fois. Et il y a un vent qui va souffler dans les maisons. Je vois un rafraîchissement, je vois une restauration, je vois une gloire incroyable. Prophète, est-ce que nous pouvons faire cet acte prophétique? Yes, souffler trois fois. C'est fait. Il y a des choses qui ont commencé déjà là maintenant. Il se déplace à la vitesse angélique. Exagération matérielle de la puissance. Prophète, est-ce que vous pouvez couler déjà dans la prière, commencer à prier, commencer à bénir, commencer à déclarer. Il est soudra mi fachete pite. Il a tout déplié à fachete. Alléluia. L'issue de ma déclaris, meniflère et d'assicla. Prénom équitable. La troute est passée, prends la fausse des écrits. Ma kéria, sauvé de plat. Père, comment serrer cette onction sur les familles? Comment ça libérer cette onction sur les prophètes? Comment ça libérer cette onction sur les musiciens? Comment ça libérer cette onction sur toute personne qui travaille, que ce soit un protocole, que ce soit un musicien? Que ce soit l'instrumentiste, donne de Jésus. Libère cette onction. Libère cette onction. Père, nous prions que les portes commencent à s'ouvrir. Nous prions que le ciel commence à s'ouvrir. In Jesus mighty name. Alors que nous sommes en train de prier, il y a des gens qui seront projetés. Il y a des gens qui seront transportés en extase. Il y a des gens qui vont vivre des expériences inhabituelles. My il y a God. Des gens qui vont vivre des choses inouïes. Parce que Dieu est en train de toucher les familles. Maraba Dieu est en train d'entrer dans cette famille dans le nom de Jésus. Dieu est en train de visiter Lebo. Dieu est en train de visiter Messia. Dieu est en train de visiter ces personnes dans le nom de Jésus. Dieu, alors que tu es en train d'ouvrir ton ciel, je prie que les maladies commencent à partir. Dans le nom de Jésus. In Jesus' mighty. Dans le nom de Jésus. Je prie que le paralytique marche dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a des maux des dos, que ça disparaisse dans le nom de Jésus. Oh la superia. Je suis en train de déclarer sur toute personne qui souffre d'une maladie dite incurable. Je ne connais pas de maladie incurable. Pas parce que j'ai entendu. Je ne suis pas en train de parler de théorie, mais je parle de pratique selon la portion de grâce que Dieu a déposée sur moi.
La Bible est en train de dire dans le premier chapitre de Actes, dans le premier verset, selon ce que Timothée a écrit, selon ce qui a été libéré, ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Comme le prophète Daniel l'a dit, nous sommes dans une séance de pratique. Toute maladie incurable, que ce soit le cancer, que ce soit le VIH, que ce soit le diabète, que ce soit le rhumatisme ou la goutte, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit son origine, Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré à la croix du calvaire, je rends tout acte, toute ordonnance qui vous condamne nul et sans effet. Je me tiens dans mon office de prophète et je vous déclare guéri instantanément au nom de Jésus. Je vous défie, allez demain, refaites le check. Il n'y aura aucune maladie qui avait été découverte hier ou avant. Vous êtes guéri au nom puissant de Jésus. Karabashalaya. Yes. Et les stopper. S'il y a des gens qui ont des problèmes pour trouver du job ou le travail, que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Amen. Que la grâce de Dieu porte un témoignage dans les deux jours qui viennent. Amen. Je disais dans les deux jours qui viennent, que la grâce de Dieu vous localise, que ce travail vienne vous chercher. Vous savez, il y a gens qui sont appelés à aider CV, il y a des gens qu'on viendra toquer à leur porte pour leur dire le travail est là. C'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train d'élever des personnes dans les villes, dans des différentes villes. J'aimerais même dire à quelqu'un, le Dieu des échos est ici. Ça veut dire le Dieu des échos, c'est le Dieu qui fonctionne avec toi là où tu n'es jamais arrivé. Mais ton nom est cité. Maintenant, Dieu, ce qu'il va faire est que ton nom va rejoindre là où ton nom est cité. Parce que le Dieu des échos est en train de fonctionner. Je vois ton nom être cité à la présidence. Amen. Je vois ton nom être cité à la table des grands. Je vois ton nom être cité dans le conseil des sages. Je vois ton nom être cité parmi les gens qui seront élevés. Allez, je décrète que Dieu va élever ta famille. Tu seras la personne qui va amener et sortir ta famille de la pauvreté. J'aimerais déclarer sur la vie d'une personne que ton ministère ne va pas échouer. Ton ministère ne va pas s'arrêter ici. Ton ministère, il ira très, très loin, très loin dans le nom de Jésus. Aidez-moi à acclamer très fort pour Jésus, à mettre des mains d'acclamation afin de bénir l'homme de Dieu. Mettez beaucoup d'acclamations, beaucoup d'acclamations, beaucoup d'acclamations. Bénissons l'homme de Dieu. Prophète Daniel, vous êtes une vraie bénédiction pour nous. Avant de vous libérer, j'ai vu quelque chose, mais je sens que c'est vous qui devez faire cette prière. J'ai vu la main de Dieu arrêter l'avortement sous toutes ses formes. Il y a des gens qui voient des destinées avortées à cause du plan du diable. Il y a des gens qui voient des projets avortés. Il y a des gens qui voient des voyages avortés. C'est-à-dire que tout ce qui s'entreprennent n'aboutit jamais parce qu'il y a une main noire qui vient brouiller. Pendant que les gens sont en train de faire des ovations, le Seigneur me demande de vous dire de déclarer afin d'arrêter la puissance d'avortement. Prophète Daniel, est-ce que vous pouvez faire cette prière? Père, la Bible déclare qu'il n'y aura aucune femme stérile en Israël. Nous sommes en train de prier et de condamner, d'arrêter tout fortement dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que ça soit un agenda diabolique, que ça soit un projet macabre. Nous sommes en train de l'arrêter dans le nom de Jésus. Et nous sommes en train de le condamner au nom de Jésus. Au nom de déclare Jésus. Tout projet formé contre sera nul et sans effet. S'il y a des personnes qui ne sont pas encore enceintes, mais le diable prévoit l'avortement, nous sommes en train d'annuler ce projet avant même qu'il ne prenne le nom de Jésus. S'il y a des personnes qui sont déjà gravides, qui sont déjà enceintes, mais que le diable veut provoquer l'avortement, nous sommes en train d'annuler cette question au nom de Jésus-Christ. Père, notre prière est de voir des enfants être délivrés en tout et dans la paix dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous voyons des enfants qui vont naître à terme dans le nom de Jésus. Nous refusons des
les interruptions volontaires de la grossesse, nous refusons dans le nom de Jésus. Nous refusons au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu as accompli. Père, merci pour la grâce que tu déposes sur ces femmes. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire bravo Jésus et mettre beaucoup de mains d'acclamation en commentaire? Prophète Daniel, waouh. Je ne sais pas ce que je dois dire, mais tu as béni mon cœur et je crois que tu as béni le cœur de plus d'une personne qui nous a suivis. Amen. Le prophète Daniel vit au Canada. J'aimerais que vous puissiez le faire de la même manière que vous m'aimez, que vous puissiez aussi le faire pour lui comme si vous pouviez le faire pour moi. Tapez sur Facebook la page Prophète Daniel Mwambakal. Allez aimer sa page et commencez à le suivre, vous serez édifiés. Je ne parle pas du compte parce que son compte a atteint la limite. Vous ne saurez pas lui envoyer une demande d'amis. De toutes les façons, même s'il y a encore de l'espace pour les demandes d'amis, là, j'aimerais que vous puissiez d'abord aller sur la page afin de suivre cet homme de Dieu qui est une grande bénédiction pour le corps de Christ. Donc, tapez sur Facebook « Prophète Daniel Mwambakal ». Vous allez sûrement le reconnaître. Aimez la page, abonnez-vous. Et je crois que de la même manière que vous êtes béni avec nous, vous serez béni avec lui. Il fait partie de la grande équipe, il fait partie de la grande team. Cette équipe que l'Éternel s'est constituée afin de faire mal au diable, de causer des dégâts dans le monde de ténèbres, dépeupler l'enfer afin de peupler le ciel. Prophète Daniel, nous vous aimons. Merci beaucoup. Nous vous portons à cœur, vous ainsi que votre épouse. Votre ministère est une vraie bénédiction pour nous et je crois que ceci n'est que la première édition. Nous reviendrons pour la deuxième, la troisième, qu'il plaise au Seigneur, que nous allions jusqu'aux dizaines d'éditions. Vous êtes une bénédiction. Nous vous donnons 2 minutes, question de dire ce que vous avez à cœur, de bénir 2-3 personnes avant que nous puissions vous libérer. Merci beaucoup, prophète Axel, pour la marque de confiance et l'invitation. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Dieu seul sait à ce que vous occupez dans notre cœur. Et nous bénissons votre maison. Merci beaucoup d'être ce que vous êtes pour nous. Alors, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que la même grâce qui a coulé dans ce direct commence à couler dans les familles, dans les vies des personnes qui nous ont suivis. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous prions que tu commences à faire des miracles maintenant. Nous ne parlons pas de demain. Nous parlons de maintenant. Nous nous attendons à des grands témoignages. Nous nous attendons à ce que tu fasses des choses merveilleuses que nous avons espérées. Au-delà de ce que nous croyons, et nous sommes rassurés. Nous sommes sûrs que tu feras des choses. Merci, Père, de glorifier Jésus dans les vies de chacun d'entre nous. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie avec action de grâce. Amen. Amen. Merci à la réalisation de libérer le prophète Daniel. Merci à vous tous qui avez été connectés ce soir. Je crois que vous avez été bénis. Nous sommes très convaincus que ce que le Seigneur a commencé de faire, il va l'achever. Notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Ce qu'il commence, c'est parce qu'il avait déjà été à la fin et ensuite il peut l'amorcer pour nous et nous amener aussi à la fin. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage. Vous êtes condamnés à réussir parce que vous êtes bénis à vie. Si ce programme vous a béni, alors portez-nous en prière pour que nous soyons toujours un canal de bénédiction pour vous. Que Dieu bénisse tous nos partenaires de Axel Mwamba Ministries pour tout ce que vous faites, pour toutes les offrandes que vous envoyez. Si vous sentez un fardeau dans votre cœur, si le Seigneur vous met à cœur de nous accompagner dans cette grande vision, n'hésitez pas de contacter notre équipe Inbox et elle vous donnera tous les détails. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous pour demain à la même heure sur la même page. Que Dieu
vous bénisse.